Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 110e numéro de l'Exodecall. Et oui, une dizaine de plus, ça fait toujours plaisir de voir cette banque d'exercices grandir, croître même, de semaine en semaine. Et petit à petit atteindre des objectifs comme là ici, dépasser les 210 exercices si on cumule exodecall et petits exodecall. Et on va donc petit à petit s'approcher de ce fameux objectif que je m'étais fixé au tout début de la conception de cette chaîne, il y a bientôt 4 ans de cela, avec les 300 exercices qui formeront donc cette fameuse banque d'exercices pour les classes préparatoires aux grandes écoles, et voire plus. Et donc, bah, merci pour l'intérêt toujours plus grandissant que vous portez pour la chaîne, hein, pour les discussions que j'ai pu avoir à travers les commentaires, pour les différentes propositions que vous me faites comme exercice. Ça aussi, ça fait toujours plaisir de voir des idées émerger un peu partout comme idées d'exercice que je pourrais proposer pour cette banque. Et donc, ça me permet d'alimenter cette banque un petit peu plus facilement encore. Et donc, merci pour tout. Bien sûr, j'aurais plein de choses à vous dire, mais ça, je vais le garder pour une future vidéo, une vidéo d'une vie de mathématiques qui sera consacrée entièrement sur la chaîne YouTube. On va maintenant donc se concentrer sur cet exercice. Et avant d'en parler profondément, j'aimerais rappeler le contexte de la sortie de cet exercice. J'avais émis au tout début du mois d'octobre 2024 un sondage dans lequel vous aviez le choix entre deux exercices. Un exercice appelé théorème de Whitney, dans lequel il fallait démontrer que n'importe quel fermé de R peut se réaliser comme lieu d'annulation d'une fonction C infinie de R vers R. Donc ça, c'est un très joli exercice. Mais finalement, vous avez plutôt opté pour cet exercice qui s'appelle le théorème de Hardy-Fort, qui est en fait un des théorèmes taubériens. Alors bien sûr, il y a plein de variantes de théorèmes de taubériens. Mais ici, on va se concentrer donc sur cette variante-là. Vous avez été plus nombreux à voter pour cet exercice en tant qu'exodecall numéro 110. Et donc, bah, c'est ce pourquoi on va attaquer cet exercice. Cela n'empêche, et je me permets de le rappeler, que même si vous avez mis de côté le théorème de Whitney, il se peut qu'il ressorte comme suggestion pour un futur sondage. Donc, ne vous en faites pas, ce résultat n'est pas perdu, il servira certainement pour un futur exodecall ou petit exodecall. On verra ce qu'il en sera d'ici les prochains mois. Bref, lançons-nous donc dans cet exercice, et je me permets de lire l'énoncé comme j'ai l'habitude de le faire. Soit UN, une suite réelle, et on va poser VN, cette somme, cette moyenne, qu'on appelle en fait moyenne de Cesaro de la suite UN. Et on aimerait montrer que si VN converge vers une limite L, et si UN plus 1 moins UN est un grand taux de 1 sur N, quand N tend vers l'infini, alors la suite UN converge également vers L. Et donc comme je l'ai dit, ceci s'appelle le théorème de Hardy-Fort. Alors il y a une version faible de ce théorème où on demande quelque chose d'un peu plus fort concernant un plus 1 moins un. En fait, on pourrait demander à ce que ce truc-là soit un petit taux de 1 sur n quand n tend vers l'infini. Et dans ce cadre-là, la résolution peut devenir un peu plus simple. Dans le cas où on travaille avec un grand taux de 1 sur n, il va falloir faire un petit peu plus de choses. Bon, j'aimerais aussi discuter un petit peu de ce résultat qui est assez intriguant, c'est qu'on est en train de faire une réciproque du théorème de Cesaro, le lemme plutôt de sommation de Cesaro. Ce lemme-là, on l'a déjà vu sur la chaîne, il y a longtemps de cela, j'ai envie de dire. Donc, le lemme de Cesaro, alors je crois que l'accent c'est plutôt sur le A et pas sur le E. Le lemme de Cesaro, on l'a vu en tant que petit exodecall numéro 7. Et je vais vous mettre le lien en description, comme je fais d'habitude, pour les exercices qui sont en lien avec d'autres exercices que je vous propose sur la chaîne. Donc voilà, le petit exodecall numéro 7, on avait démontré en fait l'autre sens. C'est-à-dire que si j'ai une suite UN qui tend vers L, alors la suite VN tend également vers L. On avait démontré ce truc-là à travers ce petit exodecall numéro 7. Et en fait, ce théorème de Hardy, et j'ai envie de dire la majorité des théorèmes taubériens sont, enfin, ont pour enjeu de chercher à donner des réciproques à ce lemme de Cesaro. À savoir que la réciproque en tant que telle est totalement fausse. Donc Cesaro vous dit, si UN tend vers L, alors VN tend vers L. Et comme je suis en train de le dire, la réciproque en toute généralité est fausse. Et c'est facile de se donner un exemple. Si je pose UN égale moins 1 puissance n, vous pouvez constater qu'en effet VN tend vers 0 quand n tend vers l'infini, alors que UN ne tend pas vers 0, hein, elle n'a même pas de limite, puisqu'il y a deux valeurs d'adhérence qui en ressortent, qui sont 1 et moins 1. Donc voilà, ça vous montre bien que la réciproque du lemme de Cesaro est fausse en général, mais
L'enjeu de la plupart des théorèmes de Hardy ou des théorèmes tauberiens, c'est de chercher à avoir une réciproque ou des variantes de réciproque du lemme de César. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des théorèmes qui mettent en jeu des séries entières. Enfin bref, il y a plein de variantes possibles des théorèmes tauberiens. C'est pour ça que généralement, on parle des théorèmes tauberiens au pluriel et pas au singulier. Mais voilà, en tout cas, celui-ci peut s'appeler théorème tauberien de Hardy-Ford dans le cadre ici qu'on s'est posé avec la recherche d'une réciproque du lemme de sommation de Cesaro. Je me permets de mentionner aussi que cet exercice peut s'attaquer en première année de classe préparatoire. En tout cas, les outils de première année de classe préparatoire suffisent pour pouvoir attaquer cet exercice. Bien sûr, je conseillerais plutôt d'attaquer cet exercice plutôt en deuxième année de classe préparatoire pour avoir suffisamment de recul sur les manipulations qu'on peut avoir à faire pour démontrer de tels résultats. Mais libre à vous, si vous êtes en première année de classe préparatoire, d'attaquer cet exercice. C'est tout à fait possible, étant donné que les outils qu'on a besoin, c'est vraiment que de la première année de classe préparatoire. Bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice avant qu'on s'y lance. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice. Et je vais vous donner tout d'abord un plan d'attaque. Ok ? Juste histoire qu'on se mette d'accord sur les étapes de la résolution de cet exercice. Ou si vous voulez voir ça comme un résultat, la preuve de ce résultat. Alors, il y a une première étape. Alors, je vais juste donner quand même une idée générale. L'idée générale, c'est de se dire, en tout cas, c'est de chercher à montrer que UN est assez proche de VN, en fait. Donc en fait, les suites UN et VN sont entre guillemets proches. Ça, c'est, on va dire, une idée générale. Ok ? Alors bien sûr, on ne va pas le faire de manière trop directe. Il va y avoir quelques étapes à faire, et notamment une étape importante qui va être la première étape, où on ne va pas juste regarder UN-VN. On va faire quelque chose d'un peu plus subtil que ça. Et puis, en faisant cette chose subtile, on va réussir petit à petit à conclure. Alors la chose subtile, la première étape subtile, c'est la suivante. J'affirme qu'on peut montrer que, donc disons que ça c'est la première étape, on peut montrer que il existe une constante K positive telle que pour n'importe quel entier N et M, alors il faut les mettre dans l'ordre, donc il faut que je mette M plus grand que N, plus grand que 1. Donc on peut montrer que pour n'importe quel paire d'entiers, étant donné un nombre, enfin, il va exister une constante telle que pour n'importe quel paire d'entiers N et M dans cette configuration, alors, on va pouvoir majorer la différence suivante, la somme des un plus 1 jusqu'à um, de m moins n, moins un, par une constante fois ln de m moins 1 sur m moins 1. Pas très évident comme majoration, mais il va falloir faire quelques manipulations de somme pour pouvoir en arriver à ce résultat. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, ça va être d'exprimer un plus 1 jusqu'à um sur m moins n à l'aide de vn et de vn. Donc ça sera la deuxième étape. Ça ne va pas être très difficile, hein, étant donné la définition de vn et de vm. Je pense que vous devriez voir assez facilement comment on peut exprimer ce truc-là en fonction de VN et de VM. Troisième étape, on va chercher à majorer la différence de UN moins L grâce aux majorations qu'on aura fait précédemment et à, bien sûr, 2-3 outils qui vont être utiles en lien avec VN et VM. Donc, il faut majorer et faire intervenir VN moins L et VM-L. Et une fois qu'on aura fait ça, la dernière étape, qui va être un peu astucieuse, ça va être de chercher à montrer que cette majoration peut être aussi petite qu'on veut. Donc montrer que la majoration, le majorant trouvé, si vous voulez, le majorant trouvé peut être aussi petit. Donc ça veut dire qu'il va falloir probablement jouer avec des epsilon. Je pense que vous pouvez vous en douter un petit peu.
Si notamment vous avez rechecké la preuve du lemme de sommation de Cesaro, vous aurez constaté qu'on avait besoin de jouer avec du epsilon pour conclure. Bah là ça va être un peu la même affaire, il va falloir jouer un petit peu avec du epsilon pour pouvoir conclure. Et donc il faut essayer de montrer que le majoron qu'on aura trouvé peut être aussi petit qu'on veut. Et il va y avoir une petite astuce derrière cela, mais je ne la donne pas tout de suite parce que j'aimerais vous laisser encore une fois un temps de réflexion. Maintenant que vous avez le plan d'attaque pour résoudre l'exercice, je vous invite à nouveau à faire une pause sur cette vidéo pour essayer de suivre ce plan d'attaque afin de résoudre l'exercice par vous-même avant que je me lance moi-même à faire ces différentes étapes. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc j'efface le plan parce que sinon je ne veux pas avoir beaucoup de place. Alors, si je veux donc démontrer cette inégalité, on va d'abord faire des manipulations sur cette chose-là. Le LN, vous devriez vous poser la question, comment ce LN intervient-il? Et si vous y réfléchissez un peu, un des moyens pour lequel le LN pourrait intervenir, enfin par lequel le LN pourrait intervenir, c'est grâce à ce 1 sur N. Si vous avez une espèce de somme de 1 sur N qui intervient, vous avez probablement des chances de pouvoir majorer par rapport à du LN. Parce que les sommations de 1 sur N, ça peut faire penser à une primitive de 1 sur T et ça fait intervenir du LN. Voilà. Donc, en effet, il va falloir faire intervenir ces termes-là. Et donc, ce qui peut être une bonne chose, c'est d'essayer de manipuler cette expression afin de ne faire intervenir que des termes qui s'écrivent comme ça. Alors, on va partir dans ce sens. Soit, donc, N et donc M, on va mettre les mêmes conditions, hein, bien sûr. Ok, donc on se met dans ces conditions. Alors, et on est parti. La première chose qu'on peut constater, c'est que le UN, on peut le soustraire à chacun des termes, étant donné que UN ici, c'est la même chose que M-N divisé par M-N fois UN, et M-N fois UN, bah, je peux très bien distribuer un des UN à chacun des termes. Donc c'est-à-dire que ce truc-là, je peux le réécrire comme 1 sur M-N fois la somme pour I allant donc de N plus 1 à M de UI moins UN. D'accord ? Bon, je vous laisse le soin de vérifier par vous-même que ça marche très bien, il n'y a vraiment pas de difficulté, et ça doit vous faire penser, encore une fois, si vous avez déjà vu la preuve du lemme de sommation de Cesaro, ça doit vous faire penser au même genre de manipulation. Donc on a ça, et puis ici, bah comme je l'ai dit, j'aimerais faire intervenir un truc qui me fait sortir du un plus 1 moins un. Pour cela, bah je peux constater qu'en fait cette soustraction-là, c'est un peu le résultat d'une somme télescopique qui fait intervenir justement uj plus 1 moins j. Sachant que i est plus grand que n hein, par rapport à la sommation qu'on cherche à faire. Donc, je peux écrire que ce truc-là est égal à 1 sur m moins n, somme pour i allant de m, oh pardon, n plus 1 à m, somme, et là on a une sommation type uj plus 1 moins uj, j allant donc de n à, alors faut pas faire de bêtises, si je veux arriver à i, il faut que je m'arrête à i moins 1. Et là maintenant, la manipulation que j'ai envie de faire, afin de peut-être simplifier un tout petit peu l'expression que j'ai sous la main, c'est que comme cette somme ne dépend que de j, elle ne dépend pas de i, j'aimerais bien échanger le rôle de i et de j. Et donc ça, c'est une manipulation classique de première année de classe préparatoire, échanger deux sommes. Alors il faut juste se rendre compte dans quel ordre sont placés les différents indices. On a que m, alors on voit que j doit être plus petit que i strict, donc j, je vais l'écrire comme ça, i est donc plus grand strict à j, puis i doit être inférieur ou égal à m, et j doit être supérieur ou égal à n. Donc on est dans cette configuration-là. Maintenant, si je veux échanger les sommes, il faut que je fasse attention. Donc on a 1 sur m moins n. La première somme, donc je veux l'écrire par rapport à j, i n'étant pas encore intervenu, j a le droit d'aller de n, alors a priori jusqu'à m, sauf qu'il faut une inégalité stricte ici. Donc je vais devoir aller jusqu'à m-1. J allant de n à m-1. Et donc la deuxième somme, maintenant que j'ai introduit j, je dois faire en sorte que les inégalités soient respectées. Ça veut dire que i doit aller de j plus 1 jusqu'à jusqu'à m. Voilà. Et donc ben, j'ai encore une fois uj plus 1 moins uj. Très bien, alors maintenant combien j'ai de termes dans cette somme? Bah, c'est pas très difficile, hein. C'est m, parce que tous ces trucs-là ne dépendent pas de i, c'est ça l'avantage. Donc maintenant, combien j'ai de termes dans cette somme? Bah, je dois faire m moins j plus 1 plus 1,
On n'oublie pas, hein, d'accord? Quand je commence à 0, par exemple, hein, quand je commence à compter par 0, je fais 1, 2, 3, 4, hein, donc 0, 1, 2, 3, 4, donc j'ai toujours un indice de plus, ok? Faites attention. Donc là, le nombre de termes qui intervient, ça va être m-j. Et donc, on peut écrire 1 sur... Alors, je vais peut-être mettre le 1 sur m-n dans la somme, parce que ça va m'aider un petit peu à avancer. Je vais mettre somme pour j allant de n à m-1 de 1 sur, alors pas 1 maintenant, c'est m-j, j'ai envie d'écrire m-n fois u j plus 1 moins u j. Ok, et c'est maintenant que je vais utiliser le fait qu'on ait un grand O. Maintenant qu'on a réussi à faire un peu de manipulation sur l'expression de départ, on va pouvoir dire que ce truc là en valeur absolue, c'est majoré, parce que c'est ça que ça veut dire, être un grand O, c'est majoré par une constante positive fois 1 sur n. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc comme un plus 1 moins un est un grand O, c'est un grand O, hein, c'est un petit, donc un grand O de 1 sur n, quand n tend à l'infini, il existe alors un cas positif, tel que pour n'importe quel entier naturel non nul, on va pouvoir écrire que un plus 1 moins un en valeur absolue est inférieur à k fois 1 sur n. Inférieur ou égal. Je pourrais mettre inférieur strict, mais inférieur ou égal, c'est suffisant. Donc voilà, alors si vous avez des questions sur pourquoi je pourrais faire la majoration sur tout le monde et au lieu de le faire sur un voisinage, bah, c'est tout simplement parce que ma suite là, elle est bornée. D'accord ? Donc rien ne m'empêche de trouver une constante qui fasse que ça majore tous les entiers naturels au lieu de majorer à partir d'un certain n. C'est pas un problème du tout. D'accord ? Donc là, j'ai fait le choix de majorer toutes les différences par une constante fois 1 sur n au lieu de majorer à partir d'un certain rang. Ça ne change absolument rien à ce que je vais vous faire jusqu'à la fin, en fait, hein, ce que je vais vous démontrer jusqu'à la fin. Bien, alors maintenant qu'on en est arrivé là, bah, je vais mettre des valeurs absolues un peu partout, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Donc si je mets des valeurs absolues ici, ouf, alors je peux mettre des valeurs absolues. Donc m moins n c'est positif, hein, m étant plus grand strict à n. Donc je vais avancer là pour l'instant en mettant des valeurs absolues partout, comme ça. Et donc comme en faisant ça, je vais faire l'inégalité triangulaire. Hein, normalement vous devez le sentir venir. Donc j allant de n. M-1 de M-J sur M-N, hein, ces deux trucs-là sont des quantités positives. Et on va voir valeur absolue de UJ plus 1 moins UJ. Alors un truc qu'on peut aussi constater, qui est peut-être une majoration abrupte, mais qui va nous permettre d'avancer encore un pas de plus vers ce qu'on veut, c'est que le M-J par rapport à M-N, bah M-J c'est plus petit que M-N, puisque J est compris entre N et M-1. Donc on sait que ce quotient va être plus petit que 1. Et maintenant, ce truc-là, je peux majorer par k fois 1 sur j. Donc ça va me faire une majoration par la somme. Alors je peux mettre un k en facteur maintenant. Hop. K fois la somme pour j allant de n à m-1, donc de 1 sur j. Voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Très bien. Je vais effacer une partie du tableau pour conclure cette première partie de résolution. Hop. Et maintenant que j'en suis là, bah j'affirme qu'on peut remplacer du 1 sur j par du ln. Et comment on peut le faire de manière astucieuse? Donc, alors, c'est vrai que vous pouvez essayer d'utiliser des équivalents en lien avec la série harmonique. Hein. Vous voyez venir là, donc la série harmonique, je suis en train de voir que le micro gèle un petit peu, je décale, hop là, voilà. Donc, le 1 sur j qui intervient ici, ok, cette série-là, vous avez une série harmonique, et donc normalement, vous pensez série harmonique, donc vous vous dites, bah allez, je vais utiliser les équivalents de ln. Mais on peut faire un peu mieux que ça. On peut, en fait, utiliser les inégalités d'accroissement fini. Par inégalité des accroissements finis, vous pouvez montrer alors que pour n'importe quel j plus grand que 2, eh bien on peut majorer 1 sur j par ln de j moins ln de j moins 1. Alors c'est quoi
l'inégalité des accroissements finis. Pour rappel, si vous avez une fonction qui a de bonnes propriétés, vous pouvez alors manipuler la différence des images f de x moins f de y en valeur absolue par... Alors, il y a une majoration et une minoration normalement, mais la majoration, elle est donnée par le sup des valeurs qu'on peut prendre pour la dérivée, la valeur absolue de la dérivée, sur l'intervalle xy, fois la différence entre x et y. Okay. Mais si notre fonction, elle est croissante, par exemple, et si on sait qu'elle est positive ou des trucs comme ça, eh bien, on peut aussi minorer par l'inf des valeurs de la dérivée en valeur absolue fois la différence entre x et y. Et là, c'est exactement ce que je viens de faire. D'accord ? Donc, ce que je viens de faire, c'est que j'ai, pour être précis, ln de j moins ln de j moins 1. Je peux écrire que ça va être supérieur ou égal à j moins 1, ok, fois l'inf de 1 sur x pour x dans l'intervalle j moins 1 j. Et la valeur minimale que prend 1 sur x, la valeur absolue d'1 sur x ou 1 sur x dans l'intervalle j moins 1 j, eh bien c'est exactement 1 sur j. Donc voilà, on est content, on peut donc en effet minorer cette différence par cette chose-là. Okay, et c'est vrai qu'on pense pas beaucoup à l'inégalité des accroissements finis dans ce sens-là, généralement on pense plutôt du côté sup, mais il faut savoir que le côté 1 fait aussi vrai. Voilà, et là bah, justement on a besoin du côté 1 pour conclure. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'en effet ça marche bien. Et donc maintenant que j'ai fait ça, eh ben, vous allez voir apparaître une somme télescopique. Car en effet vous allez pouvoir écrire que la différence qui nous intéresse, m moins n moins un, vous pouvez alors la majorer par k fois la somme pour j allant de n à m moins 1 de ln de j moins ln de j moins 1. Notez que j'ai pas mis de valeur absolue parce que ln est une fonction croissante, hein, croissante stricte, donc cette soustraction-là est bien positive, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un peu bête de dire... J'ai envie de dire que l'inégalité que vous avez là vous permet aussi de dire que c'est positif, mais bon bref, normalement il y a des valeurs absolues et je les enlève, donc bon, ça peut paraître étrange, mais je préfère le justifier proprement en le disant à l'oral là. Bref, et là vous avez votre somme télescopique et on est content, donc du coup on obtient alors ln de m-1 moins ln de n-1, ce qui va nous donner une majoration par k fois ln de m-1 sur n-1. Et voilà, c'est la fête. On vient donc de réussir à démontrer cette inégalité. Bien, alors ça c'était la première étape. J'espère vous avoir convaincu avec cette première étape, qui n'était déjà pas une étape très facile. Hop. Notamment par le fait qu'il fallait se poser la question comment le ln intervient, et il intervient grâce à cette idée de 1 sur n, à faire intervenir une somme de 1 sur n. Et l'autre truc, c'est l'inégalité des accroissements finis qui nous permet d'aller un peu plus vite. Bien sûr, vous pourriez démontrer cette inégalité autrement, hein, je répète, hein, je vous aurais même peut-être pu utiliser des équivalents de la série harmonique, hein, donc la somme partielle, j'entends bien, de la série harmonique, mais vraiment, bon là, voilà, j'ai proposé une façon rapide de faire la chose, je pense que ça fait pas de mal aussi de voir certains points efficaces qu'on peut amener. Alors maintenant, deuxième étape. La deuxième étape, je rappelle, je laisse l'inégalité sous les yeux parce que comme elle va nous servir pour la suite, hein, pour le 3, je ne veux pas trop effacer ce que j'ai écrit là. Donc maintenant, j'aimerais exprimer cette chose-là en fonction de Vn et de Vm. Et ça, c'est pas très difficile. En effet, Un plus 1, la somme de Un plus 1 jusqu'à Um, je peux la réécrire, hein, sachant qu'on a toujours m plus grand que n plus grand que 1. Je peux la réécrire comme somme pour i allant de 0 à m, des i moins somme pour i allant de 0 à n des ui. Et ça, bah, ça ressemble beaucoup à vm, sauf qu'il faut multiplier par m plus 1. Donc on va avoir m plus 1 fois vm. Et de l'autre côté, on va avoir n plus 1 fois vn. Et donc, par conséquent, on peut écrire alors que la division aussi par m moins n, 1 sur m moins n, c'est vraiment, il suffit de multiplier par cette chose, et bien on obtient cette réécriture-là. Rien de bien méchant cette deuxième étape, mais c'est pour vous permettre de voir qu'en effet,
On n'a pas fait de grosses bêtises en regardant ce truc-là, on est bien en train de regarder un truc qui est en lien avec la suite VN en question. Donc maintenant que j'ai fait ça, la troisième étape, c'était de majorer la différence entre UN et N en valeur absolue. Sachant que notre but, ça va être de montrer que ça va être aussi petit qu'on veut. Et après, il va falloir se concentrer sur la majoration qu'on va trouver. Alors, c'est parti, hein, donc je vais prendre UN moins N, hein, je vais prendre N, un entier naturel plus grand que 1. Ok. Et puis encore une fois, je vais prendre un M aussi plus grand que N, plus grand que 1, juste pour pouvoir faire les choses comme je le souhaite et utiliser ce qu'on a fait précédemment. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser tout d'abord, parce que j'aimerais utiliser ces inégalités-là, j'aimerais faire ressortir ce terme-là, et faire ressortir ce terme-là, je peux le faire par inégalité triangulaire. Ce qu'on fait, c'est que ce truc-là, on peut dire que c'est la même chose que UN moins lui plus lui moins N. Et puis cela va nous simplifier un peu la vie. Donc en effet, je peux écrire qu'on a, par inégalité triangulaire, UN, donc UN moins UN plus 1 jusqu'à UM sur M moins N, clac, plus UN plus 1 UM sur UN, sur M moins N, le tout moins L, clac. Très bien, ok. Maintenant qu'on a fait cette inégalité triangulaire, on va tout de suite utiliser la majoration qu'on a trouvée pour ce truc. Donc, K fois ln, là. Donc, je peux écrire que c'est majoré par K fois ln de m moins 1 sur n moins 1. Et maintenant, de l'autre côté, je vais utiliser l'expression en fonction de V. Pourquoi? Parce que je vous avais aussi dit, dans la troisième question, pour la majoration, de faire intervenir un truc qui s'écrirait sous la forme valeur absolue de Vn moins L et Vn moins L. Bon, pour les faire intervenir, il faut utiliser l'expression en Vn de notre expression ici, cette somme-là, cette somme partielle de Un, Un plus 1 jusqu'à Um. Donc, on va avoir plus tchoup, M plus 1 fois Vm moins N plus 1 fois Vm, le tout sur M moins N moins L. Ok. Et là, il y a un truc magnifique encore qui se produit et qui est encore très similaire à ce qu'on a fait au tout début du calcul, qui est encore une fois aussi très similaire à la preuve du lemme de Cesaro. Le L, comme par magie, va pouvoir être écrit avec le Vm et avec le Vn. Pourquoi? Parce que votre L, vous pouvez écrire que L, c'est M moins N sur M moins N fois L. Mais le M moins N que j'ai écrit au-dessus, rien ne m'empêche de le remplacer par M plus 1 moins N plus 1 sur M moins N fois L. Et donc après je distribue le L et vous voyez de manière très jolie la factorisation qui s'en ressort, puisque maintenant vous mettez un moins devant et ça veut dire que vous pouvez faire M plus 1 fois Vm moins L et vous pouvez faire ensuite moins N plus 1 Vn fois, moins L. Donc ça veut dire que ce truc-là, je peux l'écrire comme, pour récapituler, m plus 1 sur m moins n, le tout valeur absolue, pas valeur absolue pour l'instant, le tout fois vm moins n, moins n plus 1 sur m moins n, le tout vm moins l. Et c'est maintenant qu'on commence à voir la majoration qui va dépendre de valeur absolue de vm et valeur absolue de vm. On commence à être content. Hop. Et on voit apparaître en effet la majoration souhaitée. Donc on vient d'arriver avec UN moins L, qui va être inférieur ou égal à K fois LN de M moins 1 sur N moins 1. Plus. Alors maintenant. Donc là, je fais inégalité triangulaire sur la valeur absolue, tout simplement, et je vais avoir m plus 1 sur m moins n fois valeur absolue de vn moins l, plus, du coup, n plus 1 sur m moins n valeur absolue de vn, alors il y a vm et vn, faut faire attention, vn moins l. Et voilà, je viens donc de trouver une majoration d'une forme plus ou moins attendue. On a utilisé l'inégalité de tantôt, plus des termes qui font apparaître en effet du Vn-L et du Vm-L.
On en arrive à la deuxième partie difficile de cet exercice, qui était de réussir à montrer que la majoration qu'on vient de mettre en avant peut être aussi petite qu'on veut. Et là, il va y avoir une petite astuce. Je peux effacer parce que je ne vais plus avoir besoin de ça, je vais l'utiliser, donc c'est bon. Hop. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour sur la vidéo, hein. C'est fait pour ça, le support vidéo, pour me permettre de réentendre les explications au besoin. Et bien sûr, ne de pas hésiter aussi à réentendre, revoir certains points s'ils n'ont pas été clairs dès la première écoute, ou dès la première fois que vous le voyez. Donc, on arrive à la quatrième étape. Et là, on a un truc un peu astucieux. Je vous rappelle que cette inégalité-là est vraie, et je vais le réécrire, elle est vraie pour n'importe quel m plus grand que n plus grand que 1. Donc, si je choisis un bon m, ou une bonne expression de m en fonction de n, par exemple, alors, il y a peut-être des chances que j'arrive à montrer que ce truc-là soit aussi petit que je veux. Et, en effet, une bonne idée, par rapport au quotient qui apparaît un peu partout, c'est de se dire qu'on peut poser m comme étant un multiple de m. Et, bon, bah, on va pas faire un multiple un peu trop au hasard, on va faire un multiple plus grand que 1, bien sûr, mais on va pas faire un multiple entier, on va chercher à utiliser des multiples qui sont pas forcément entiers. Et ça fait penser à un exercice qu'on a fait il n'y a pas si longtemps sur la suite de Putnam. En effet, ce que je vais prendre, c'est que je vais poser alpha donc positif pour l'instant, donc plus grand que 1. Et on va poser m égale partie entière de alpha m plus 1. En faisant ça, la première chose qu'on peut s'assurer, c'est qu'en effet, m est plus grand strict à m. Ça va, on est content, je pense que c'est pas très difficile. La partie entière, elle est toujours comprise entre alpha n, alors que je fasse pas de bêtises, donc la partie entière, elle est toujours comprise entre alpha n et alpha n moins 1, voilà, c'est ça. Et donc, le moins 1 va simplifier, et du coup, ça va nous dire que le m est plus grand, est toujours plus grand que alpha fois n, mais comme alpha est plus grand que 1, eh bien, on en arrive à cette inégalité-là. Voilà. Donc on est sûr qu'on a l'inégalité stricte, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux avancer maintenant? Donc ce que je veux avancer, c'est que si je regarde le quotient, j'ai envie de dire n'importe lequel, mais prenons le premier quotient qui est là. Donc si je regarde le quotient m-1 sur n-1, je peux alors le réécrire comme partie entière de alpha n sur, puisque le plus 1 va se simplifier, sur n-1. Qu'est-ce que je vais avoir comme équivalent quand n tend vers l'infini? Eh bien, quand n tend vers l'infini, je me rends compte que ce truc-là, eh bien, ça va, le truc en haut, il est équivalent à alpha n. Et le truc en bas, il est équivalent à n. L'équivalent à alpha n, vous l'obtenez grâce justement à les inégalités qui viennent de la partie entière. Comme je l'ai dit tantôt, la partie entière de alpha n est comprise, est toujours comprise entre alpha n et strictement plus grand que alpha n moins 1. Et donc, si vous divisez toutes ces inégalités par alpha n, juste pour vous en convaincre, vous pouvez montrer que le machin au milieu, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1. D'accord? Par le théorème de gendarme, puisque ici on va avoir 1, et ici on va aussi avoir 1. Donc ça vous permet de dire qu'en effet ce truc-là est équivalent à alpha n. Je pense qu'en bas c'est assez clair que c'est équivalent à n, et donc c'est équivalent à alpha. Ce qui veut dire que la limite, quand n tend vers l'infini de cette expression-là, deviendra alpha. Alpha, qui est une valeur strictement plus grande que 1. Et donc, ça veut dire que, par composition des limites, eh bien, vous avez que ln de m-1 sur n-1, eh bien, ça tend, quand n tend vers l'infini, alors peut-être que, c'est vrai que je devrais mettre en avant que le m dépend de n, donc je vais me permettre de indicer m à partir de maintenant avec n, même si je vous l'accorde, c'est très moche, mais j'aimerais garder en mémoire que le m maintenant dépend de n. Donc je vais mettre m indice n. Donc si je fais tendre n vers l'infini cette expression, eh bien je trouve ln de alpha. Sachant que ln est une fonction continue au voisinage de alpha, et si alpha étant strictement plus grand que 1. Et ce que je viens d'écrire là est vrai pour n'importe quel alpha plus grand strict à 1. Donc rien ne m'empêche de me dire qu'une fois que j'ai ça, je peux faire tendre alpha vers 1. Et donc,
obtenir une limite qui va vers 0. Ce qui signifie donc que je peux faire un bon choix de alpha de façon à ce que ce truc-là soit aussi petit que je veux. Alors, maintenant la question c'est quel est le bon choix de alpha à faire? Ce que je veux c'est donc que ln de alpha en valeur absolue soit plus petit qu'un certain epsilon. Donc je vais commencer avec ce genre de choses. Comme on a cette limite-là, on sait que pour n'importe quel epsilon positif, il va exister un état... est-ce que je veux état? Je réfléchis deux secondes. Donc ouais, c'est ça. Donc pour n'importe quel epsilon positif, il va exister un alpha... Enfin, ouais, peut-être je vais l'appeler état pour l'instant. Un état positif tel que... la différence, donc je veux que la différence entre 1 moins état, ça c'est la continuité de ln en fait, donc la différence entre mon 1 et état, 1 et, je réfléchis des secondes. Ouais, tel que pour n'importe quel alpha, voilà ce que je veux, donc pour n'importe quel alpha, appartenant plus grand que 1, voilà, si alpha moins 1, donc ça, ça va être un truc positif, et ça va être plus petit ou égal à état, alors, je peux faire en sorte que ln de alpha moins ln de 1, mais ln de alpha, ln de 1 ça fait 0, donc je vais avoir valeur absolue de ln de alpha, qui n'est plus une valeur absolue puisque alpha est plus grand que 1, donc c'est positif, ce truc-là va être plus petit que epsilon. Ok ? Donc ça, ça vient de la limite à, si vous voulez, c'est la limite, alors que je ne dis pas de bêtises, à droite, c'est la limite à droite, c'est la limite en valeur positive que je suis en train d'utiliser de ln en 1. D'accord ? Donc ce truc-là, c'est la même chose que comprendre la limite de ln de x quand x tend vers 1 plus qui est égal à ln de 1 qui est 0. D'accord ? C'est ça que je suis en train de traduire en faisant ça. Donc en ayant maintenant cette chose-là sous la main, je peux choisir un epsilon de prime abord. Et puis dire, bah ok, je sais qu'il existe un état tel que bah, si je choisis alpha suffisamment bien placé, alors je vais avoir cette chose-là. Donc, je commence par dire ça, en effet, soit epsilon positif, il existe donc un état positif, tel que bah, si je prends un alpha, tel que alpha moins 1 est positif, mais plus petit ou égal à état, alors je vais avoir ln de alpha qui est plus petit ou égal à epsilon. Donc, sachant que cette inégalité est respectée d'office, puisqu'on a pris alpha plus grand que 1 strict. Très bien. Et puis, bah, on sait qu'on a aussi cette limite qui intervient. Alors, cette limite, je peux la réécrire en disant, bah, il existe, donc, pour ce epsilon aussi, il va exister un entier n1 plus grand que 0, tel que pour n'importe quel entier plus grand que n1, alors je vais pouvoir écrire que la différence entre ln de mn-1 sur m sur n-1, tac, moins ln de alpha est également plus petit que epsilon. Alors bien sûr, je peux changer maintenant les epsilon en epsilon sur 2 si cela peut m'arranger. Je peux même faire intervenir le k si cela peut aussi m'arranger. Donc tant qu'à faire, on va faire tout ça. Je vais changer mon expression ici en mettant 2k. Ici en mettant 2k. Pour l'instant, bien sûr, hein, à mon avis, ça va encore changer. Mais c'est juste une histoire de manipulation pour faire en sorte qu'à la fin, j'ai bien un plus petit que epsilon. Et donc... ça me permet alors de conclure, je ne vais pas effacer tout de suite ce que j'ai là, parce que ça j'en ai vraiment besoin. Mais par contre, ce que je veux écrire, c'est la chose suivante. Je peux écrire que, donc pour n'importe quel... alors faut juste... Donc une fois qu'on a fait le choix du alpha, ainsi, pour alpha compris entre 1 et 1 plus état, en échangeant un petit peu les inégalités, on a l'existence, donc on a pour tout n plus grand que n1, la valeur absolue de ln, donc de m, n-1 sur, alors je vais mettre tout de suite le faux k, donc k fois ln, je suis en train de mettre des valeurs absolues, mais je ne suis pas obligé de mettre des valeurs absolues pour ce ln, parce que je sais que le ln ici, il est positif, hein, je n'ai pas de... difficulté en soi, mais c'est pas grave, je mets des valeurs absolues juste pour le contexte. Tac. Hop. Donc si je fais ça, bah, je sais que ça, ça va être inférieur ou égal par inégalité triangulaire, hein, c'est encore une fois l'inégalité triangulaire, à L, à, je vais mettre encore le K en facteur, K étant positif, je peux le mettre en facteur sans mettre de valeur absolue, M, N-1 sur N-1, moins LN de alpha,
plus valeur absolue, mais j'ai pas besoin de valeur absolue de ln de alpha. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien, ce truc-là est plus petit que epsilon sur 2k, celui-là aussi est plus petit que epsilon sur 2k, donc je vais avoir en fait tout ça qui va être inférieur ou égal à k fois epsilon sur 2k plus epsilon sur 2k, ce qui me donne bien un truc inférieur à epsilon. Donc ce que je viens de montrer, c'est qu'il existe bien alors un n1, pour lequel, pour n'importe quel entier n plus grand que ce n1, je vais avoir un truc aussi petit que je veux. Super! Maintenant, deuxième truc que j'ai pas encore utilisé, hein, c'est une hypothèse que j'ai pas encore utilisée. Pour l'instant, la seule hypothèse que j'utilise jusqu'à maintenant, c'est ça. Et j'ai amené cette hypothèse-là pour me permettre de montrer que je peux majorer ce truc-là par un truc aussi petit que je veux. Maintenant, je vais devoir utiliser le fait que Vn tend vers L, hein, je pense que vous le sentez venir à cause de ces choses-là. Alors je vais effacer une partie quand même, parce que sinon je vais pas pouvoir avancer. Hop. Je vais juste me contenter de la majoration que j'ai écrite là, et rappeler que mon Mn s'écrit comme ça, ça j'en ai besoin. Si on regarde un petit peu plus près ce qui se passe quand n tend vers l'infini pour chacun de ces termes, eh bien, Vmn-L, c'est une suite extraite, hein. Faut comprendre que c'est une sous-suite de la suite Vn. Hein, donc Mn, en fait, la fonction qui a n associe Mn est strictement croissante. Je pense que ça, c'est normalement assez simple à voir, hein. Donc elle est strictement croissante sur les entiers. Et donc c'est une fonction extractrice. Et donc, ça signifie que ça, c'est une sous-suite de la suite Vn. Donc ça veut dire que quand n tend vers l'infini, ce truc-là tend vers 0. Il en va de même, bien sûr, pour Vn-L, qui tend vers 0. Ok, on est content. Et maintenant, ce que je vais pouvoir dire, c'est que... Enfin, maintenant, il y a un truc à dire avant. C'est qu'est-ce qui se passe pour les quotients? Alors, je vais regarder d'abord le quotient Mn plus 1 sur M-N. Et on pourra voir en équivalence, quand n tend vers l'infini, que le truc en haut va être encore une fois équivalent à alpha n, et le truc en bas, ça va être alpha n moins 1. Donc ça va faire alpha moins 1 fois n. Le n se simplifie, et ça va donner alpha sur alpha moins 1, qui est une constante. Parfait. Et pour n plus 1 sur m moins n, on va avoir une équivalence en alpha, pas alpha, 1 sur alpha moins 1. Très bien. Donc, si on regarde alors toute l'expression qui se trouve ici, hein, donc m n plus 1 sur m mn, j'ai oublié des indices n, hein, je suis désolé, mn moins n, et navré pour cet indice n que je veux vraiment mettre, parce que je veux quand même garder en mémoire que le m dépend de n. Bon, même si normalement ça devrait être assez clair par rapport à ce que je suis en train de faire, mais je veux juste que les choses soient proprement écrites. Donc je vais avoir ça, et puis n plus 1 sur m, n moins n, valeur absolue de vn moins m. On sait que chacun de ces deux trucs tend vers 0, et ces deux trucs sont des constantes, enfin tendent vers des constantes. Donc elles sont bornées. Donc ça c'est borné fois 0, plus borné fois 0. Donc la limite quand n tend vers l'infini de cette chose, c'est 0. Ce qui permet de dire qu'il existe alors un entier, donc, pour le epsilon que j'ai posé au départ, hein, si vous voulez, il existe alors un entier n de... un entier naturel nul si on veut, tel que pour n'importe quel n plus grand que n2, eh bien la quantité qui est ici, cette quantité, je n'ai pas obligé de mettre des valeurs absolues parce que tous les termes sont positifs, est inférieure à epsilon. En conclusion, je viens alors de démontrer que celui-ci est aussi petit qu'on veut, majoré par epsilon. Celui-ci est aussi petit qu'on veut, majoré par epsilon. Et je conclue alors que pour tout n plus grand que max de n1, n2, pour faire en sorte que les deux inégalités soient vraies, je vais pouvoir écrire que un moins l est plus petit que 2 epsilon. Et c'est là où on voit qu'il y a encore une petite manip à faire en plus, et la petite manip à faire en plus, c'est juste de dire, je vais plutôt, au lieu de mettre epsilon divisé par 2k, ici je vais mettre epsilon divisé par 4k, et ici j'aurais mis epsilon sur 2.
Vous m'en voudrez pas si je ne fais pas cette manipulation. Je pense que c'est assez clair écrit comme ça, qu'en effet UN-L va donc pouvoir être aussi petit qu'on veut. Peu importe l'épisode que j'ai choisi au départ. Et donc, bah, c'est gagné. Je viens donc de démontrer que UN tend vers L. Donc, UN tend vers L quand N tend vers l'infini. Et ceci conclut la très jolie résolution de cet exercice. Donc voilà, nous venons de démontrer un des théorèmes, ou une version des théorèmes taubériens. C'est le théorème de Hardy-Fort, qui nous permet d'avoir une réciproque partielle du lemme de sommation de Cesaro. Et je pense que c'est assez joli de se rendre compte que voilà, si on ajoute quelques conditions, on arrive à démontrer qu'on a une partie de réciproque du lemme de Cesaro. Mais je répète que la réciproque du lemme de Cesaro est fausse, hein, je vous avais donné un contre-exemple avant même de lancer la résolution. Donc vraiment, je pense que c'est assez fort de constater que quelques petites hypothèses, et là notamment cette petite hypothèse en plus, qui est une hypothèse assez faible, hein. Là, je demande juste à avoir un grand taux de 1 sur n. J'ai pas demandé un petit taux de 1 sur n, j'ai pas demandé un truc plus fort concernant un plus 1 moins un. Juste ça, ça suffit pour s'assurer une convergence de un connaissant la convergence de sa moyenne de ses arômes. Donc c'est, voilà, je trouve ça très, très joli comme exercice. Et donc, ben voilà, c'était le choix que vous aviez effectué comme exercice. J'espère que cet exercice et la résolution de celui-ci vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Et bon, ben, ça fait toujours plaisir de discuter mathématiques avec vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo, par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous !